high fidelity. It's great. Sex. That sounds amazing. Fantastic. Perfect life. Alors, nous sommes au Rancard, ça y est, le Rancard a été un peu avancé parce qu'on pensait être là à 6h, mais finalement, c'était une course, alors ils sont allés très vite. Donc, nous sommes avec M. Ritter et M. Collier. Vous êtes le président de ce Rancard, c'est-à-dire de ce lieu où se sont donné rendez-vous les psychicycléteurs. Voilà. On va parler de ça un peu plus tout à l'heure. Mais dites-moi, le Rancard, c'est un lieu public, associatif, privé? Comment associatif. Ça se passe? C'est un lieu associatif, c'est un groupe d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle sont une initiative de l'ARS de 2005 environ, et qui accueille des personnes qui ont eu un parcours psychique un peu difficile, qui ont des soucis de ce côté-là, et qui viennent ici retisser du lien, créer des amitiés à travers des activités, des repas, des rencontres. Ça se passe toute l'année? Et ça se passe toute l'année, c'est ouvert pendant la semaine, à des horaires que je pourrais vous donner tout à l'heure. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de cercle thérapeutique ou bien c'est trop précis? Alors pas du tout, c'est pas un cercle thérapeutique parce que c'est un lieu non médicalisé. Les personnes qui viennent là sont éventuellement suivies si elles en ont besoin par psy ou psychologue. Ici, ce sont surtout des personnes qui sont, disons, stabilisées et qui sont en rupture de lien avec souvent la famille, souvent la société, parce que la maladie mentale ou les difficultés psychiques créent une rupture. Vous allez jusqu'à les héberger, enfin, ou c'est un lieu de rendez-vous dans la journée, ou vous en hébergez quelques-uns, vous pouvez en héberger? Non, nous n'hébergeons pas, c'est un lieu simplement de journée. Par contre, nous sommes parrainés par l'Association d'aide à la santé mentale Croix-Marine, qui, elle, entre autres, propose effectivement des logements pour des personnes en difficulté. D'accord. Les gens connaissent votre existence ou ils sont dirigés vers vous par différents organismes? Bien sûr, nous avons toute une série de partenaires. Pour en citer de mémoire, le Centre médico-psychologique, le CMP, le CATTP. Je vais en oublier plein parce que je n'ai pas la tête à ça, mais il y en a plusieurs. Il y a aussi des médecins qui sont au courant de votre existence et qui peuvent aussi diriger les gens vers vous? Oui, alors là, je pense qu'effectivement, mais il y a peut-être encore un peu de travail à faire pour vulgariser le Rancard et les groupes d'entraide mutuelle auprès du corps médical. L'hôpital psychiatrique du coin et puis aussi, ils savent votre existence. Tout à fait. On a d'ailleurs eu un contact assez récemment avec la structure de Bergerac. D'accord. La Fondation John Bost aussi, par exemple. En partenariat, on a déjà fait des choses ensemble, effectivement. D'accord. Monsieur Collier, vous êtes la société civile, si je peux dire. Enfin, un peu catholique, je vais dire. Et vous êtes au Rancard, pourquoi? Ah ben, le Rancard, pour nous, c'est une comment dire?
C'est pas une aubaine, c'est une opportunité extraordinaire qui a été ouverte par la loi de 2005 et la reconnaissance du handicap psychique. C'est la première chose qui a été créée par l'État par une circulaire toute simple qui dit voilà, on donne 75 000 euros aux associations qui se créeront et qui pourront effectivement donner la possibilité à ces jeunes ou moins jeunes de se retrouver ensemble. Voilà, donc elle s'appuie quand même pour ça sur les collectivités locales qui doivent fournir le logement, qui doivent fournir... C'est le cas ici, c'est une location ? Non, ici, ce n'est pas le cas. C'est, l'association paye son loyer. Elle l'a trouvé, mais enfin, ceci étant, il y a une subvention de la ville, il y a un concours de plusieurs partenaires et le groupe d'entraide mutuelle, c'est la première chose qui a été faite dans la société civile pour les personnes handicapées psychiques. La loi de 2005, jusque-là, ils étaient malades et renvoient aux sanitaires. Et là, il y a pour une fois, c'est pour ça que quand vous posiez la question, est-ce que c'est un cercle thérapeutique ? Non, non. Et c'est justement dans la société civile, et à ce titre-là, j'assume complètement, effectivement, c'est une excellente chose. Et il faut, effectivement, comme ils ont fait un parcours en vélo aujourd'hui, comme tout un chacun, en traversant la ville, en respectant le code de la route, voilà, et ils sont comme les autres. D'accord, on va venir tout de suite à la psychiclette, mais une dernière petite chose, peut-être, à propos du rancard. Vous avez sûrement une idée du roulement en quantité, ça représente combien de personnes, vous envoyez... Alors, nous sommes une soixantaine d'adhérents avec un roulement d'une trentaine tous les jours. Vous êtes une trentaine présents ici. 20, 25 personnes, 30 personnes pratiquement tous les jours. Oui. Et vous avez de quoi faire un peu de cuisine, un peu de... Voilà. Un peu de cuisine, des activités artistiques, des activités culturelles, quelques activités sportives aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en suis désolé parce que moi, je ne connaissais pas l'existence de ce truc et... C'est encore une fois des tas de trucs intéressants comme ça qui existent, on ne les connaît pas. C'est un truc génial. Et moi, je voudrais féliciter la personne, anonyme peut-être, qui a eu cette idée excellente qu'on pouvait rassembler des personnes en difficulté et qu'ils allaient se fédérer, se mutualiser, s'entraider pour un retour à l'autonomie. Formidable. Et à la limite, ils deviennent experts d'eux-mêmes, quoi. Enfin, ouais, ils apprennent à mieux se connaître. Et voilà. Bien sûr. Alors, la psychiclette, très bien. Moi, quand j'étais petit, que j'allais pas bien, on me disait, oh ben, t'as un petit vélo dans la tête, ou bien tu pédales dans la choucroute, etc. C'est pour ça, la psychiclette ? Je pense que c'est pour montrer que ces personnes-là peuvent aussi faire quelque chose d'éprouvant, de difficile. Non, mais je veux dire, ce sont les gens que vous voyez, la trentaine là, que vous voyez tous les jours, qui ont organisé ce truc, ou bien ils viennent d'ailleurs Alors là, je vais me tourner vers... Ils viennent d'ailleurs. C'est la deuxième édition de ce parcours qui avait été initialisé par le collègue d'une AFAM de Toulouse, qui s'appelle Michel Lacan. Et qui donc un amoureux du vélo est concerné par la maladie mentale pour un de ses proches. Et donc il a monté cette idée-là de faire un parcours par étapes de Toulouse à Paris. Et donc des étapes d'emblée longues, 100 km. Et donc l'année dernière, ça a été ce parcours-là, Toulouse-Paris, mais ils ne sont pas passés par ici. Je ne sais plus par quel endroit ils sont passés. Et donc deuxième édition cette année. Donc c'est des jeunes qui viennent ou de Toulouse, ou d'ailleurs, il suffisait simplement qu'ils rallient Toulouse. Certains aussi peuvent commencer ici éventuellement. Je ne sais pas, je ne crois pas, je n'ai pas entendu qu'ils partiraient d'ici. Mais l'objectif, c'est de faire ce parcours en peloton. Et donc, parallèlement, en même temps, il y a un deuxième parcours qui se fait depuis Abbeville jusqu'à Paris. Et donc, à terme, on peut imaginer que l'année prochaine, ce sera Lyon, Paris, Rennes, Paris, et que la France soit effectivement partagée en cette période par des psychiclettes, petits vélos qui tournent dans la tête, et pourquoi pas. Hein. Quand ils vont se retrouver à Paris, il y a une occasion particulière ou... L'année dernière, ils avaient été reçus par la ministre. Cette année, ils sont reçus par Gérard Larcher au Sénat, dans le jardin du Luxembourg. Donc, effectivement, c'est une... Mais c'est pour marquer aussi le 10e anniversaire de cette loi de 2005 qui a reconnu le handicap psychique. Et donc, ça, c'était... Bon, ça se manifeste quand même. Petit vélo dans la tête, je retiens l'image. Je peux vous demander, Monsieur Ritter, comment vous êtes tombé là-dedans ?
Parce que je suis tombé malade, tout simplement. J'ai eu besoin d'aide. Vous avez vous-même connu le petit vélo dans la tête. J'ai connu les gros vélos dans la tête et j'ai eu des années noires. Et puis, grâce au rencard, j'ai récupéré. Je suis retombé sur mes pattes et je me sens beaucoup mieux qu'avant. Alors, une petite question un peu patrimoniale, mais est-ce que Bergerac a une qualité particulière pour... vous avez bien dit que ça serait très bien que ce soit partout comme ça, hein, bien sûr, mais est-ce qu'à Bergerac, il y a, j'allais dire une pathologie, c'est idiot, mais des souffrances qui vous semblent attachées au coin ou pas du tout ? Quand vous êtes tombé malade, c'est pas parce que vous étiez à Bergerac et que ça vous a foutu le bourdon d'un seul coup. Non, c'est pas du tout ça, non. Parce que vous m'avez dit que vous étiez suisse, donc je me suis dit, ah, il est loin de chez lui, donc... Non, je vais pas raconter ma vie, non, mais ça n'a rien à voir avec Bergerac et je pense pas qu'il y ait une pathologie de Bergerac. Ça m'étonnerait beaucoup. D'accord. Ça me paraît vous me rassurez. Où il fait bon vivre et... Non, mais c'est vrai que aussi la, disons, la souffrance sociale de Bergerac. La souffrance sociale, elle est un peu partout, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à Bergerac, elle existe aussi, hein, comme ailleurs, donc il aurait pu y avoir des trucs. Mais bon, très bien. Bon, ben écoutez, alors, mis à part que vous avez un peu d'avance, tout s'est bien passé jusqu'ici. A priori, oui. Moi, je les ai accueillis à Montbazillac. Et donc, ils sont arrivés avec un peu d'avance, comme vous l'avez vu. Et dans la descente, ils en ont profité parce qu'ils avaient leurs 80 ou 90 km dans le dos. Et donc là, certains ont eu des ailes qui leur ont poussé. Et donc, ils ont encore pris un peu plus d'avance. Mais dans ma voiture, je voyais bien au compteur que je roulais à plus de 50 à l'heure et que j'étais talonné. Il n'était pas question que je freine. Et donc, ça dégringolait vite. La précédente étape, c'était ? C'était Toulouse, Agen. Et donc ce matin, ils sont partis d'Agen pour arriver ici. Et demain matin, ils repartent encore pour Angoulême. Et donc, alors il y a des camions suiveurs, etc., pour ceux qui sont fatigués, parce que ce n'est pas une course. Mais quand même, la performance est là. Je ne sais pas si vous faites du vélo, mais 100 km dans une journée. Je suppose... Ça montait pas mal, ce que j'ai entendu. Absolument. Ça montait pas mal. Oui, bien sûr. Et ça suppose toute une organisation, enfin, un chapeau, quoi. Mais Michel Lacan, je ne sais pas s'il a quelque chose à voir avec le Lacan de la psychanalyse, mais c'est un... Non seulement il est... Bon, il est concerné par la maladie mentale d'un proche, mais c'est un super pro de l'organisation de ses parcours. Vraiment, et l'année dernière, c'est passé vraiment épatamment bien. Et cette année, ça se déroule dans les meilleures conditions. La preuve, on arrive en avance. Et je crois que vous les hébergez à Saint-Sauveur. Voilà. Et donc, ils vont tous tout à l'heure prendre la route, enfin, ou alors partir pour les plus fatigués. On va mettre les vélos sur la remorque, parce que Saint-Sauveur, c'est quand même pas tout près. Et donc, et puis là encore, ça monte un peu. Et donc, après les belles agapes qu'on leur a données ici. Et la structure qui vous reçoit à Saint-Sauveur, c'est ? C'est le Poney Club. Le Poney Club, et donc c'est une sorte de gîte un peu spartiate, mais pour des collectivités, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Et donc, il y a une dame qui vient de me dire que vous dites des choses merveilleuses. Alors, on vous saute dessus. Non, mais je vais vous dire, j'étais très ému de voir tout le monde. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'étais très ému. C'est mieux de voir tous ces gens avec la chaleur qu'on a été reçus, vraiment. Oh, super. Voir toute la ville arrêtée, coupée, et c'est très important, Bergerac. Et tout le monde a arrêté pour que nous, on passe, c'était pour moi. Vous avez fait toute la course depuis Toulouse. Oui, j'ai sorti de la Sesquière. Agen, Bergerac. Mais Agen aussi, ça devait être bien, non ? Hier, c'était très bien aussi. Je vous dis, l'aventure humaine jusqu'à Paris, je pense aller, c'est grandiose pour moi. Vous avez dû vous entraîner un peu pour la course ? Oui, il faut s'entraîner parce que pas beaucoup. Parce que c'est pas vraiment une course, mais bon. Non, mais il faut beaucoup d'efforts parce que les côtes, il faut tenir surtout le cœur. Le cœur, il y a des moments que. Et oui. Et à Toulouse, il y a une organisation un peu comme ici, avec convivial, comme ça, où vous êtes. Non, moi je
Et comment vous avez trouvé une femme, ça fait une femme, voilà, une femme, c'est monsieur, voilà, voilà, qui m'a dit, bon, cette année on fait Toulouse-Paris, donc j'ai dit, bon, mais il m'a dit, mais si tu n'es pas entraîné, tu peux faire Toulouse-Agen ou Vagérac. J'ai dit non, je fais Toulouse-Paris ou je fais rien. Et l'aventure continue. Vous êtes trouvé des copains pour faire ça avec vous? Non. Vous êtes seul? J'ai des copains dans la route. Dans la route. En route, voilà, en route. Super. Ben, merci beaucoup, monsieur. Bien, alors, nous sommes avec un élu responsable du CCAS, le Centre Communal d'Aide Sociale, c'est ça. Et vous touchez de près avec l'UNAFAM à ces questions sociaux, psycho, machin. Et c'est pourquoi vous êtes à la psycyclette, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, quand on nous a demandé de participer avec l'UNAFAM à cette action, bon, on a sauté au pied joint dedans, puisque c'est tout à fait ce qu'on fait, nous, dans tous les jours, avec l'action sociale de la ville. Et la ville s'est intégrée dans cette action à 100%, hein, puisqu'on a participé à tout ce qui était publicité, communication, on a bien travaillé là-dessus. Et après, dans le reste, on a travaillé avec les autres associations qui ont un rapport aussi avec l'UNAFAM et ces actions-là. Et sur la santé à Bergerac, on travaille vraiment sur la santé à l'heure actuelle, parce qu'on a beaucoup de projets sur la santé, dont fait partie tout ce qui est psychologique, tout ce qui est addiction, voilà. On travaille beaucoup sur ces sujets-là. C'est des sujets très importants à l'heure actuelle. Alors je crois que la particularité du Rancard ici, c'est que je leur ai posé la question si c'était un cercle thérapeutique et ils ont dit non. C'est mieux que ça, quoi. C'est mieux que ça. Donc vous disiez que vous avez travaillé aussi avec d'autres associations. Oui. Ça se fait aussi un peu partout, ça? Oui, non, mais c'est-à-dire que les autres associations avec qui on travaille, c'est surtout pour qu'il y ait une relation entre toutes les associations et qu'il n'y ait pas une... Voilà. C'est pour essayer de éviter les doublons. Donc on travaille beaucoup dans ce sens-là. Réunir, être solidaires entre nous, travailler beaucoup entre nous. C'est surtout cet esprit là qui domine. Hein. On ne laisse pas de côté quoi que ce soit, qui que ce soit. Et voilà. L'idée, c'est aussi de ne pas stigmatiser les gens dans une étiquette, sous une étiquette quelconque. Exactement, ouais, exactement, c'est ça. Pas dire, tiens, celui-là, on le cible, voilà. Non, pas du tout. Il fait partie de la vie normale, de la vie du pays. C'est un homme ou une femme comme les autres, avec un handicap qu'il n'a pas choisi, voilà, et qui arrive, qui vous tombe dessus, et qui, dont il faut... Et qui, quelquefois, veut dire d'ailleurs des compétences qu'on ignore. Hein. Et qui veut dire certaines compétences qu'on ignore, et on le voit pratiquement tous les jours. Il y a des gens qui sont sensationnels. Voilà. Toulouse-Paris à vélo, c'est pas de la tarte. Vous n'avez pas beaucoup qui le feraient, hein. Même peut-être pas moi, certainement pas en plus. Voilà, pourtant je fais un peu de vélo, mais bon, je ne le ferai pas. Donc c'est quelque chose qui, je pense, qui est porteur, dans le sens où ça peut émuler beaucoup de choses et faire réfléchir aussi des gens qui rejettent plus ou moins, voilà, les actions. Moi, je pense qu'il faut... J'espère que ça marche en ce sens, effectivement. Oui, c'est surtout dans ce sens qu'il faut le voir. Il faut que ça touche. Et si ça touche, on avance. Si ça ne touche pas, on n'avance pas. Et je crois que dans ce sens-là... Et nous, la mairie, que ce soit CACAS ou la mairie ou le maire, M. Daniel Garing, lui, c'est dans ce cadre-là qu'il voit toutes ces actions et qu'il nous fait entièrement confiance, que ce soit le CCAS ou les autres élus, dans ce sens-là. Voilà. Et votre boulot, c'est donc de suivre, de faire le suivi de toutes ces associations. Toute action sociale, toutes les personnes âgées, tout. Voilà. Donc c'est quand même c'est un gros service. C'est un service indépendant de la mairie. Vous savez comment ça se passe. Dans toute, ça fait longtemps que vous faites ça? Moi, ça fait pas longtemps, ça fait depuis qu'on est élu, ça fait depuis les élections. Mais bon, moi j'étais très social dans ma vie. Je veux dire, vous n'étiez pas étranger à ce... Je n'arrive pas dans ce milieu social comme ça, voilà. Voilà, j'arrive, voilà, avec des connaissances sociales quand même, voilà. Et vous avez pu mesurer, ou comment ça se mesure, je ne sais pas, justement l'action sociale, du point de vue que vous dites là. Vous savez, l'action sociale à l'heure actuelle, elle fait... les besoins sont de plus en plus. Donc on arrive à des situations où il faut beaucoup de gens autour qui s'en occupent, il faut travailler en collaboration avec beaucoup, parce que ça vient tous les jours de plus en plus, que ce soit l'action sociale ou la pauvreté ou le reste, hein, parce que nous, ça rentre tout, là-dedans. Hein.
Et quand on voit ce qui se passe partout et quand on voit ce qui se passe dans nos associations, on sait très bien qu'ils ont un besoin flagrant de tout. Voilà, ça c'est clair. Bon, ben écoutez, vous savez peut-être que nous, on a une petite télé faite avec des bouts de ficelle par des gens bénévoles. Si jamais vous rencontrez dans vos, dans votre suivi comme ça de l'action sociale des gens que ça intéresserait de toucher un peu à ce qu'on fait, n'hésitez pas. Sans problème. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Parce que rien que le fait de faire ce que vous faites aujourd'hui avec moi ou avec d'autres, vous apporter une petite pierre à l'édifice. Oui, puis on a l'impression d'être chez nous, je veux dire, c'est du bricolage, mais, oui, mais vous apportez beaucoup. Tout à fait essentiel. Quoi. Oui, vous apportez beaucoup. Vous apportez merci. Beaucoup. Merci. On vous remercie.